Bon, au moins après dans le jeu, il y a plus. Mais chut, il y a la cinématique. Hannibal, mon fils. Présente-toi devant les dieux. Jure qu'en ce jour, jusqu'à ton dernier soupir, Rome sera jamais ton ennemi. Je le jure. C'est une insulte envers Rome. Vous avez violé le traité qui vous liait. Inacceptable. Laissez-moi vous rappeler que vos pères ont nourri les vers de la Sicile. La dernière fois que Carthage s'est tenue face à Rome. Ceux qui n'ont pas accueilli cette racaille à bras ouverts. Nous les avons expédiés dans les eaux des Écarpes, afin qu'ils servent Neptune. Il va sans dire que la Méditerranée est notre territoire, et non le vôtre. Lorsque vos mercenaires et vous avez fui vers vos barbares villages de pêche, nous avons hérité des maigres bribes que vous possédiez. Et l'on m'envoie auprès de vous pour que vous décidiez entre la paix et la guerre, comme si vous aviez vraiment le choix. Je choisis la guerre. Ce choix est décisif. Épique! Eh bien, salut tout le monde! Salut, Nidas. C'est Canadobis et Nidas. Et aujourd'hui... Vas-y, fais l'intro. Vas-y. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, la campagne tant attendue, dont ouais. On avait tellement parlé, c'est la campagne sur Total War Rome 2 sur Hannibal aux portes. Voilà. Hannibal aux portes, donc qui est une refonte totale de la map de Total War Rome 2, en un peu plus gros, il y a moins de factions, parce que c'est juste la Méditerranée. Exactement. En fait, c'est juste que c'est là. Il y a eu un zoom sur la map, en gros, sur la Méditerranée. Voilà, un zoom, si tu le dis. C'est pas la même époque non plus. Oui. Mais ils ont juste rajouté 2-3 villes, et voilà. Et c'est pas la même époque. C'est pour ça que là, par exemple, on voit Rome qui possède ça, alors que normalement, c'est Carthage sur la campagne. Bon, bref. Ok, bref, on s'en fout. Donc, Julien va jouer Syracuse lors de cette campagne, faire un gros zoom dessus. Voilà, exactement, Syracuse. Et moi, je vais jouer Rome. Voilà. Alors Rome qui est coupé en deux, hein. Exactement. Alors, derrière, tu veux prendre quoi comme territoire, toi? Alors, j'en appuie sur tab. Alors, comme ça, on est un peu plus explicatif de la situation. Sinon, tu prends toute l'Italie comme ça. Déjà, je vais prendre déjà toute l'Italie. Ah oui, d'ailleurs, il y a le pinceau. Moi, je vais écrire en bloc. Okay, je vais prendre ça. Ok. Ceci. Mm-hmm, cela. Et tu veux aller vers le nord. Je vais m'étaler vers le nord. Hein. Si tu vois, toi, tu veux bien prendre le sud. Hein. Parce que moi, je vais aller vers là. Parce que, en fait. Si je vais vers le nord, je vais pas trop avoir de... Bah, ça sert à rien, parce qu'il y a les ou quoi. Ça sert totalement à rien. Donc, plutôt aller vers le sud pour prendre du territoire vers le sud et un peu niquer Carthage. Ouais. Oh là là, qu'est-ce qu'on m'aime pas dans le... Voilà, dans la barre des factions. Ouais. Alors déjà, première chose de diplomatie, je vais te demander un accord commercial. Ouais. Comme ça, on va déjà augmenter un peu les salaires. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Non, je rigole. Bon allez, on va peut-être perdre du temps. Ça commence le sac. Mais bon, on est en campagne coop. Hein. Ouais, on n'est pas contre. On pourrait faire une campagne contre. Ça pourrait être sympa. Donc, alors. C'est mes amis. Attends, je vais expliquer un peu pour ceux qui ne connaissent pas Total War ce que c'est. Alors le but en fait c'est d'agrandir sa faction qui moi là est Syracuse pour qu'elle devienne très puissante. Voilà, en gros c'est ça et pour que l'Imperium monte le plus possible. Hey, les Samnites, c'est mes états clients. En fait, ils sont super sympas avec moi, tout le monde, en Italie. Ouais, parce que c'est pas la même époque, en fait. Ouais.
Par contre, les vols qui m'aiment pas, ouais, ils s'en foutent. Les massilles, ils m'aiment pas, ouais, ils s'en foutent d'eux. Oui, donc la alors, tiens, comme je disais, le but du jeu, c'est vraiment de monter son Imperium et voilà. Et puis après, c'est de la stratégie, hein. C'est pas un truc du genre Call of Duty, rien à voir. Oui, bon, après, ceux qui regardent cette série, ils savent quand même un peu de quoi on parle, hein. Ou peut-être pas des tout, hein. Non, mais justement, tu sais, il y a des gens, ils savent pas ce que c'est, ils regardent. Ouais. Donc, Total War Rome 2, c'est un jeu de stratégie à grande échelle et très réaliste. Voilà, en gros, comme ça, je vous résume, hein. Je vous résume en mode gros pâté. C'est exactement ça. Ici, par exemple, c'est la 6. En mode gros pâté. Alors, qui c'est le Vésu, je pense que c'est ça. Donc, ici, j'ai une armée. Oui, je prends en main. C'est assez long. Oh la vache, j'ai des grosses armées. Hein. Ah ouais? Ouais, j'ai une armée de en tout, j'ai à peu près 5000 hommes. Ah oui, pas mal. Oui, j'ai déjà des balistes. Ok, d'accord. Ah, t'as vu, les Vénètes, ils sont déjà en pénurie, les mecs. J'aurais pas de problème. Alors oui, alors les petites têtes de mort au-dessus de l'armée, ça veut dire qu'ils ont plus de nourriture et qu'ils sont en train de crever, en gros. Voilà, ça veut dire que leur état n'a pas assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Donc il y a bien des bouches qu'il faut fermer. Ouais, effectivement. Alors, là, on peut voir à gauche le revenu que me fait gagner cette ville. La nourriture qu'elle produit, la nourriture ça peut être en négatif, et les effets de province, bon ça on verra plus tard, comme ça au moins j'explique un peu aux gens. Mm-hmm. Et par exemple là vous voyez, vas-y explique, moi c'est mon tour, je suis en train de recruter. La ville par exemple, on voit les caractéristiques à côté, moins 5 de nourriture, alors ça comme ça le dit, ça enlève moins 5 de nourriture, mais par exemple avec ça rajoute 6 de nourriture, du coup c'est pour ça qu'on a un surplus de 1. Voilà, ouais. Donc quand on passe là, par exemple, il fait moins 8 de nourriture et moins 4 d'ordre public. Alors l'ordre public, qu'est-ce que c'est? Dans l'ordre public, en fait, c'est... Oui, mais je pense qu'ils savent, bah, pour la plupart... Bah, on va pas vous faire un tutoriel de ce que c'est, hein, non plus. Ok, d'accord. Non, mais c'est juste pour expliquer vite fait. Genre l'ordre public, c'est ça, et plus c'est bas, moins c'est bien, en fait. Voilà, en gros, c'est ça. Ok, moi, je vais me concentrer sur la Ligurie, qui est ici, regarde, appuie sur table, parce qu'en fait, tout ce territoire-là... Ok, ouais, j'aimerais bien. Tout ce territoire-là. Attends, je vais. Ouais. Même bien. Tout ça, là. Ah ouais? Tout ça, ouais. C'est même mes états clients et tout. Donc, ouah, j'ai 34 de surplus de bouffe. C'est bizarre, hein. C'est tranquille, Rome. Non, c'est pas tranquille, parce qu'après, il y aura les Carthages. Par contre, j'ai beaucoup de mercenaires qu'il faut que je vire. Direct chercher ça, moi. Toi, je vous vire. Carthage, première cible. Les mercenaires, c'est bien, mais juste pour le siège. Oh, Michigan 1000 de plus, ça peut être pas mal ça. Oh, tiens, j'ai recruté une. Ah, t'as vu ce que t'as? Ouais, regarde, à Sifty, tu as un patricien. À quoi? En Afrique, tu as un patricien à toi. En Afrique? Tu peux me montrer avec le pinceau parce que ça c'est grand, hein, tu m'excuseras, mais. Ici. T'as un mec à toi. Ah ouais, ouais? Ah bah oui, c'est pour ça que c'est tout éclairé. C'est quoi comme mec à moi? Un dignitaire. Ah, parfait. Ouais, pour faire chier le monde et répondre. Ah non, bah justement, les Masayeli, ils m'aiment bien. Mais tu devrais aller voir, bah, comme t'es en Afrique. Leur nom. Comme t'es en Afrique, ça m'arrangerait que t'ailles vers Carthage pour me donner des. Bah, voir ce qu'ils y sont. Oui, si tu veux. Vers Carthage. Oui, vers Carthage. Bon, je quitte ma région. Même si c'était pas trop ce que je voulais faire, mais. Parce que. Ouais. Parce que ça les est... Comme ça, ils m'aimaient encore plus, les gens, bon. Donc j'ai plein de constructions à faire, donc du coup ça demande pas mal de fric. Et les villes sont un peu dans la dèche, hein, je vous avouerai que c'est pas la joie. Rome, j'ai une armée à l'extérieur de Rome. Ouh, l'armée de malade. C'est cool. Très cool même. Effectivement, t'as les armées plutôt pétées. Hein. Ah non mais regarde l'armée qui est dans la mer là, attends, je vais te montrer. Là, avec le gros pinceau. Regarde celle-là. Oh là 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 là, ok. La Ligurie va prendre cher, j'annonce. Les Tolos. Bon, allez, c'est bon, j'ai fini mon tour. Et on va essayer de jouer vite. Ah, je peux mettre un Eddy. Ah, ok. Je suis tellement pas habitué. Plus 2 de conversion à la culture latine. Plus 10 de. Plus 4 de bouffe, plus 4 d'or public. Non, plus 5 de taux d'imposition. Ah, je peux mettre un autre Eddy. Allez, on va mettre moins 10 coûts des recrutements d'unités auxiliaires. Ça, j'ai pas toute la province, ça non plus.
Ah, foutu 5 minutes, faudrait que je les défonce un de ces jours. Ok. Ok, bah moi ce que je vais faire là, je vais pas faire grand chose ce tour, je vais recruter des unités et mettre. Voilà, c'est tout. Pour me préparer vers Carthage en fait. Si tu regardes, Julien, t'as aussi déjà des traits de diplomatie, de technologie qui sont déjà faits. Ouais, j'ai regardé. J'ai déjà même choisi la techno. Je vais prendre ingénierie qui est très pratique pour avoir de. Moi je vais prendre caserne de la Légion, comme ça je pourrais faire des gardes prétoriens. Ok, plus d'influence culturelle, très bien. Pour information, les gardes prétoriens sont très puissants. On va le rapprocher d'ici parce qu'il va plus être utile ici. On va. C'est une des unités les plus puissantes en mêlée, hein, les gardes prétoriens. Oui. Avec les soldats génois là qui sont sortis dans le. Ou non, pas génois, des royaumes des Odris. Ah ouais, je sais pas, mais en tout cas ils sont très pétés. Ouais. Alors là, on va recruter des piquets ou plutôt. Est-ce que j'ai des piquets? Non. Tu vas voir, tu vas être impressionné de. Tu vas prendre du temps hein, avant de faire le voyage Carthage, Syracuse Carthage. Ouais, mais j'ai déjà. Ah là, on peut les améliorer, parfait. Ah ouais, t'avais déjà testé. Ouais, mais j'ai envie de faire genre 5 minutes, tu vois. Ouais. Oh, on peut recruter des bonnes unités. Alors oui, hein, au début. Des super bonnes unités. Hein. Normalement, dans la grande campagne, on peut recruter que ça au début. Au début, après, on pourra recruter ça, bien sûr, mais là, c'est très rare de commencer à pouvoir recruter ça en. Et puis Starmel va aller à Lily Biome. Ok, ça, on va mettre ça là. Si tu veux, je peux t'aider de ma flotte, hein. Comme non. Ça, ça va être plus simple pour toi. Non, mais j'y vais en renfort, tu vois, je prends pas la ligne d'assaut. Ah, ok, d'accord. Ça se fait juste un bonus de flotte. Je m'engage à rien. C'est juste. Je suis en train de regarder. J'ai des pots à feu, j'ai des birèmes d'assaut, ça peut être pas mal. Industrie. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai deux bâtiments qui produisent de l'industrie, donc je vais prendre une périphérie, ça sera plus avantageux pour moi. Puis voilà, moi c'est pas très long mes tours, de toute façon, là j'ai pas grand chose à faire. Au début, ça va être pas très long. Moi, c'est un peu plus long, ben c'est juste que j'ai dû m'habituer à tout. Oui. J'ai juste oublié de regarder ça. Alors, Libye, même moyen. Samnite, même bien, j'ai du commerce. Parce que, en fait, tu vois, faut que je. Faut que je garde cette. Ok, y'a les Boyens. Quoi. Ça, ouais. faut que je garde. Y'a les Boyens, ok, d'accord. Ils sont en guerre contre toi, Carthage, j'imagine que oui. Très bien, très bien. Bon, voilà, moi j'ai terminé. Ouais, y'a beaucoup de monde qui m'aime pas, mais bon, j'ai pas mal de gens qui m'aiment quand même. Ah, la Ligue Étrusque, il faudrait que je leur demande un accord commercial là. Ils vont peut-être te le demander. Allié attaqué. Qui? C'est qui mes alliés? Ah, la Ligue Étrusque se fait attaquer. Ouh, je peux rompre l'alliance, t'es un sac. Ouais, mais c'était ta client. Ouais, donc du coup j'entre en guerre. C'était con. Oh, encore allié attaqué, les insubres, attaqué par. Ah non, votre allié Massilia. Ok, attaqué par les insubres. J'entre en guerre. Soit. Ouh, y'en a un qui s'est incrusté sur ton territoire. Qui? Ouh, oui, j'ai vu. Ah, ici. Non, mais en fait, je pense que Rome, c'est pas facile à s'occuper de tout ce qui est oui, c'est ça. Administration. Enfin, pas administration, mais voilà quoi. Oh, je vais pouvoir faire les casernes level 4. Je pense que Rome, c'est compliqué à prendre tout ce qui est en fait à l'intérieur. Enfin, je sais pas. Casernes level 4. Je sais pas s'ils vont tous se retourner contre moi, tu vois, ça pourrait être un truc complètement chiant. Donc, je vais d'abord tuer la Ligurie. La Ligurie. Ah, du coup, la Ligue Étrusque, il m'aime plus. Pourquoi? Parce que je suis entré dans le camp de mon allié. Les autres, là. Ah, ah bon ouais. Ah ouais, putain, merde. Ils m'ont jamais aimé, moi, la Ligue Étrusque. Oh, bah non, en fait, ils m'aimaient bien, mais là, plus du tout, quoi. Ouais. Qu'est-ce que t'as foutu? Bah, c'est avec le jeu d'alliance, hein. Bah, c'est qui s'est fait attaquer par qui, en fait? Bah les Boyens, ils ont attaqué la Ligue Étrusque. Mais t'es pas allé contre les Boyens? Oh, je sais plus. Je sais plus. C'est trop compliqué ce truc. Attends. Je suis en train de réfléchir. Oui, je suis pas habitué du tout. Mais est-ce que c'est marqué que t'es rouge contre les Boyens ou pas? Ouais. Ah bon? Ouais. Parce qu'en fait, je suis avec les Insubres. Non, je suis contre les Insubres. Ah non, parce qu'en fait, ok, il y a eu deux guerres hyper chiantes contre moi. D'accord. Du coup, je suis en guerre contre la Ligue Étrusque. Oh merde, du coup, ça fait une grosse guerre dans mon territoire. Ah ouais, là, oui. Après, là, t'as une armée. Ah oui, non, mais ok, là, ok, d'accord. Ils veulent la guerre, ils l'auront.
Donc, viens, on fait une moyenne de combien de tours par épisode? Quoi, on fait une moyenne de 30 minutes d'épisode? 30 minutes? Ouais, ça fait déjà à peu près 10 minutes qu'on est en épisode. Un peu plus. D'accord. Vas-y, vas-y. Hop. Ah, on joue. C'est bon? C'est à toi. Ah, c'est à moi? J'ai pas qu'à l'excuser. Ah, t'étais pas en train de jouer? Oh là là. Excuse-moi. Alors, toi, je vais te mettre en marche forcée. Ah merde, du coup, ils perdent moins de... Bon, allez, taux d'imposition bas. Je suis obligé, écoute. Bah, sinon, tu mets pas de taux d'imposition ici, tu mets pas d'impôt. Ça dépend combien il me rapporte, hein. 240. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as totalement raison. Oui, bon, bah, moi, ce que je vais faire, c'est encore recruter. Hein, de toute façon, ça va pas changer. Oui. Attends, je voulais vous montrer un truc, je ne sais pas. Bon, heureusement, je suis encore pote avec les Samnites. La croissance, c'est pour faire améliorer sa ville, pour pouvoir rajouter des bâtiments. Voilà. Ça, c'est dit. J'explique un peu. C'est la croissance, quoi. Hein. Ouais, non, mais tu sais, j'explique un peu, parce que Total War, quand tu joues pas, là, comme ça, c'est facile, oui, parce que nous, on connaît, mais... Je te jure, quand tu commences, c'est pas si facile que ça. Ouais, c'est sûr. Alors, voilà. Ici, là, c'est intéressant, c'est ce panneau. Ça montre les impôts, là, on peut régler les impôts, vous voyez. Donc là, je vais les mettre comme ça. Et vous voyez, en bas, mon revenu, il augmente ou bien il descend. Et... Ah, mince, j'étais stupide. Le problème des impôts, c'est que, regardez, là, moins 7 d'ordre public dans partout. Et ça fait plus 0 de croissance, alors que si on baisse, c'est moins fort. Et puis si on monte, c'est vraiment la cata. Donc voilà. Moi, personnellement, j'essaie toujours de le stagner à normal. Parce que c'est cool. Sauf quand c'est vraiment la dèche, je suis obligé de le mettre en très faible, mais bon. Ok, on va se poser là. Ici aussi, on peut voir la culture qu'il y a dans notre région, qui influe sur l'ordre public aussi. Donc voilà, là par exemple, différence culturelle, moins 9, parce que j'ai que 37% de ma culture. Bon, je vais sûrement perdre Pisae. C'est pour ça que les hôtels comme ça, ça sert à... Ah non, celui-là, il sert pas à faire ça, ok. Bah, des hôtels comme ça, par exemple... Attendez, je vais essayer d'en trouver un. Non, pas du tout. Pas du tout, voilà. Plus 4 d'influence culturelle hellénique. Du coup, bah... Ici, le chiffre, ça ne sera plus 7, ça sera 11. Et du coup, ça va rattraper les latins, qui est toi d'ailleurs. Ouais. Et ça va pouvoir permettre de faire augmenter l'ordre public. Voilà. Ok, sur ces ports-là, je vais faire... Ok, bah j'ai bientôt fini. Deux secondes. Personnage ? Ah non, c'est bon. Ok. Après, tout ce qui est là, corruption et tout, on verra ça plus tard. Hein, parce que ça, pour l'instant, c'est pas très... très important. C'est comme le panneau là, ce qui est là, c'est important plus tard quand notre empire grandit et qu'on va devoir s'occuper des personnages importants. Ouais. Sinon la guerre civile va éclater. Okay. De toute façon on est obligé de la faire, mais c'est toujours mieux de mieux se préparer à la guerre civile. Enfin bref, voilà. Bon là les Guitrus qui sont un peu dans la merde, par contre je risque de perdre une ville. Qui est quasiment sûr. Guerre déclarée. Alors, je vais voir un peu ce qui s'est passé. Guerre déclarée, Vénète insub Massilia. Ah voilà, en fait, c'est ça, les comme les Vénètes, c'est mes potes. Je me suis resté pote avec les Vénètes, en fait. Là, j'aurais dû faire un accord commercial avec eux. Je pense que c'est... Là, tu fais un traité de paix avec les autres. Avec la Ligue Étrusque. Ouais. Ouais, mais bon. Non, mais autant les éradiquer. Puis voilà, comme ça, ils me font plus chier. Bon, c'est vrai. Bon, par contre, je risque de prendre cher à ce tour. Combien ça coûte ça par tour? 147, c'est cher. Wow. Ça coûte quand même... Bon, bah là, on va prendre des petits javelots, parce que voilà. Ça coûte vraiment cher, les autres trucs. Là, on va le déployer.
la school, enlever une fois. Oh, les boyaux là, je vais les tuer. Autre dynastie, dynastie des. On va prendre celle-là. Lever une flotte. Hop. Bon, ça c'est des ports plutôt tranquilles, je vais plutôt les développer dans la bouche. Et voilà. Moi c'est bon. C'est bon de ton côté ? Ok. Ah, moi ça va assez vite, hein. Tu sais, j'ai juste une petite ville à m'occuper. Les impuries me donnent mon pack de non-agression. Attends, je regarde juste c'est qui les ont. C'est qui les impuries ? Ils sont où ? Ils sont très contents avec moi, c'est tes alliés défensifs. Donc c'est bon. De toute façon, moi, c'est pas grave. Hein. Ok. Là, c'était sûr. Là, est-ce qu'ils ont leur armée de garnison ? Ok. Bon bah. Ouais, mais du coup, ils vont plus l'avoir. Ouais, voilà. Ils se replient. Ah. Ah, ouais, là, c'est la pluie qui vient. Bah, vas-y, hein, fais la bataille, comme ça, on verra une petite bataille Total War. Contre l'IA, donc ça va. Oh, j'ai vraiment des unités en carton. Hein. T'as quoi ? En papier mâché. À moins que tu la gagnes en résolution auto, pas ? Non. Aucune mais, chance de victoire. Mais t'as la Ligurie contre toi aussi ? Ouais, ouais. Là, depuis le début, hein. Ah. Ouais, donc non, je vais pas faire la bataille. T'es sûr ? Bah, je vais me faire éradiquer de toute façon. Bon bah, comme tu veux, hein. Tu vas perdre Pisaï quoi. Oui, c'était sûr, je ne pouvais pas gagner, de toute façon, je peux pas gagner. Avec le peu de troupes que j'ai, puis bon, non, je peux pas, impossible de gagner cette bataille. D'accord. De toute façon, ils vont perdre leur grosse ville, donc c'est pas grave du tout. Ah mais, ok, ils ont même pas pris la ville. Oh, il la pisse, enfoiré. Ouais. Donc, moins 50. Ouh, ça fait mal. Moins 50 d'ordre public. Ouais, c'est intéressant de piller. Hein, Ouais, c'est pissant. Voilà, tu peux te prendre une ville. Ouais, t'inquiète pas, je peux même m'en prendre deux sur moi. Aritium, il y a du vert en plus. Parfait. Et Genoa. Comment tu peux prendre Genoa sans. Ah oui, d'accord. Ouais, mais celle-là, elle en marche forcée, je sais pas si elle pourra y aller. Ou... Alors, toi, je vais te mettre à Lily Bayon. Alors, bon, moi, je vais vous montrer autre chose en attendant. Ici, c'est les forces qu'on a. Bon, pratique, on en a plein, là, c'est pas très utile. Les provinces, qui montrent combien d'argent on gagne par province. Si leur public est bon, l'export de la nourriture. Ça, c'est pratique quand notre faction est plutôt grande. Par exemple, quand elle fait. Bon, là, c'est pas la grande campagne, donc on va pas vous revoir. Mais quand par exemple votre faction commence à avoir tout ça comme territoire, c'est plutôt intéressant. C'est pratique pour la gestion. Bataille ! Voilà, bon voilà, on va assister à une bataille. Bah vas-y, hein, moi je vais commenter ta bataille. Hein. T'as qu'à. Ouais, okay. De toute façon, je pense pas que ça va être très compliqué pour toi. Non. Là, ils ont pas des unités de fou quoi. Puis j'ai une baliste, au pire je peux rester loin. Puis. T'as des chiens. Non, ça va être... des chiens. Tiens, c'est marrant ça. Les chiens, j'avais jamais trop vu ça en action. C'est hyper bien. Oh là là, le carnage que ça fait. Ou sinon les molosses. Les molosses, c'était une unité dans le DLC justement, Beast of War. Ouais, je sais, je les ai. C'est ultra pété. Ça se défonce des généraux, des fois c'est. Alors, vous allez pouvoir voir une bataille tout à l'heure. Bon, on en a déjà fait hein, sur la chaîne. On en a fait deux. Une où je me suis fait défoncer. Ouais, un peu plus, parce que j'avais présenté des trucs aussi. Ah oui, oui. J'avais fait une campagne sur les Arvernes au début de la chaîne, qui avait bien marché d'ailleurs. J'ai pu continuer parce que j'ai pas su la sauvegarde. Non, mais quand je disais bataille à deux, c'est genre quand on avait. Quand... Ouais, bataille, c'est quand on faisait tous les deux, tu vois. Donc on était ensemble. Donc oui, on avait fait la première bataille où je me suis fait défoncer parce que je commençais à jouer. Et après, on avait fait la bataille avec The Rageless. The Rageless. D'ailleurs, faudrait mettre l'intro de Total War. Ouais, ouais. T'inquiète, j'y ai pensé. Astéti. Donc là, on peut voir les Romains. Il est bien stylé avec sa peau de loup là sur le crâne. Ouais, c'est les Vélites. Alors. Non, dans le tas. Le général. Rafale explosive. C'est parfait ce truc là. Ça a commencé à tirer. Mes troupes elles vont un peu se poster là. Je vais les faire avancer en marchant. Attends, moi j'observe ça. Et c'est très lent. Ok, elle vise à côté. Fail. Attends, non, pourquoi elle vise à côté, c'est con ça ? Ah, parce que j'ai visé une unité qui est plus à côté. Alors, on visait celle-là. Voilà, c'est bien. Attention. Boum. Oh, il y en a qui se sont fait défoncer. Hein. Bon, elle a fait déjà 21 décès du côté adverse.
En plus, il bouge pas, c'est ça qui est marrant, alors... Oh putain, il y en a un qui a volé, je te jure. Ah ouais, en plus, j'ai le mode avec les sang, le sang maintenant. On va pouvoir voir. Tu l'as acheté. Je viens, il commence à craquer pour tous les DLC. Non, c'est juste qu'ils étaient en promo, je les ai pas eu. Oui, je sais. Je rigole, hein. C'est toi qui as craqué pour tous les DLC. Moi, j'ai pas acheté ces arangoles. Ouais, t'avais tout acheté, tout acheté. Toi aussi. Non. J'ai pas acheté Pirate and Rider. Ah ouais, j'ai acheté celui-là. L'explosion. Vas-y, hein, commence à faire. Ah bah, tu les as déjà commencé à faire. Ah ouais, ils avancent. C'est juste qu'ils marchent, hein. Le mec, il se dégourdissent un peu les jambes. Ah mais les... Ouais, bon voilà, on voit un peu les IA. On voit un peu les IA un peu cons, hein, aussi, hein, qui commencent à courir partout. Parce qu'en fait, la IA dans sa tête, elle se dit, faut que je défende cette position. Et du coup, ils restent là, mais ils savent pas. Je rappelle, on n'est pas en légendaire campagne, hein, on est en normal. Normal. Voilà. Donc là, ils se disent, ouais, bon, il faut défendre cette position. Mais ils savent pas en fait qu'ils se font attaquer par la balise. Ça, c'est... Ils croient que. Ils savent pas. Ils croivent, oula. Oh, c'est bon, ça peut arriver. Puis m'en fous, ces vacances. Les vacances. Le prétexte pour faire des fautes de français. Oh, c'est pas grave, c'est les vacances. Dans 2 mois, je pourrais dire. En fait, si tu balances quoi. Mais attends, j'ai jamais compris. Qu'est-ce qui balance. Ah, les sacs, ils commencent à m'attaquer. Ok. Ah, si tu peux juste me donner tes balistes, s'il te plaît. Oui. Par contre, ne les fais pas attaquer quand je suis au cac, hein. Non, non, c'est juste que je veux tirer un obus. Ouais, bah vas-y, c'est le dernier. Vas-y, fais alto feu peut-être. Ouais, ouais. Ah, vas-y, attends, mon obus va faire un massacre. Encore un, vas-y. C'est bon, maintenant fais alto feu. Attends, je tire juste un obus avec truc. Avec cela et puis. Oh, vas-y, hop. Merde. On utilise le feu. Ok, je fais alto feu, je fais alto feu. Non, arrête, fais alto feu. Ouais, je fais alto feu. Non, mais j'ai été. Ah, il pleure. C'est bon. Les chiens attaquent aussi, hein. Regarde les chiens. T'as un mode de scénarisé sur les chiens. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Oh, voilà, j'ai pas pu lancer mon projectile. Vas-y, je regarde. Oh oui, là, alors là, c'est très le massacre. Attends, je te redonne ça parce que. Ouh, les chiens, on les voit. Ils sont chauds, ils sont présents. Ouais, mais tu vois, s'ils avaient attaqué les archers, j'aurais fait un carnage, mais beaucoup plus monstrueux. C'est pas grave. Bon, là les Romains ils attaquent. Oh, regarde, ils font 50 kills là déjà, les chiens. Je sais pas. Ah ouais, les chiens ils les bouffent. Hein. Eh, déjà 70 kills. Bon, ceux-là derrière ils attendent un peu là. C'est dommage, je vois pas trop d'exécution. Ah si, là y'en a. Mais j'aimerais bien voir un mec qui se prend genre. Qui se fait exécuter avec la tête là. Genre lui j'en suis sûr, il va se faire exécuter là. Exécution. Vite, on coupe la tête, merde. Ouh. Ouh, l'attaque. On a bien vu. Mes chiens sont déjà à 88 kills, Julien. Ah, mais au fait, mon général, il a pas bougé. Ouh, y'en a un qui a fait... Qui l'a défoncé, l'autre, le pauvre. Bon, voilà. Bon, de haut, ça donne ça. Chien de guerre. Chien de guerre. En même temps, on l'a dit. Ouais. Ouais, j'ai dit chien de guerre aussi. Là, ils se cassent, là. Oh, les fuyards. En même temps, les Romains, leur marchent un peu dessus. Limite, on avance un peu le temps. Limite, les Romains, dès qu'ils passent à côté d'eux, ils leur pissent dessus en même temps, tu sais. Oh là là. Ouais, non, mais là, c'est... Attends, combien j'ai perdu demain? Bon, j'ai rien perdu. Mais non, mais de toute façon, t'as rien perdu. Au prochain tour, tu sais, ils seront déjà... 84 pertes. Voilà. Oh, la baliste, elle a fait son boulot. Regarde les chiens. Ils ont attaqué 20 secondes. Ah ouais, la baliste. Non, mais parce que en fait, j'ai tiré un obus avec la baliste. Bon, j'ai oublié de te préciser que j'ai failli toucher tes troupes. j'ai vu. Hein. T'as dû voir un obus arriver. Bah, c'est moi qui l'ai tiré. Mais c'est pas facile de viser avec une baliste, hein, en insert. Ah, t'as visé en insert. Ouais. Ah, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Ah si, si, on peut. Voilà. Bon, je sais pas, en même temps, je joue pas beaucoup avec les balistes. Hein. Je joue à chaque fois des factions paumées, donc... Ah, par contre, petite... Oh, moins 71. Petite révolution... Ah non, j'ai rien dit. Putain, je sais pas compter, quoi. On s'en fout, c'est les vacances. C'est les vacances. Et là, tu vois, t'es bien, parce que regarde.
Là, comme t'as Arithium, tu vois, tu vas pouvoir aller sur Takini avec tes deux armées. Ça, c'est bien. Non, mais regarde ce que j'ai fait, je fais un truc bien. Ah, t'avais engagé des mercenaires. Regarde, je vais faire d'une pierre deux coups. Ah non, je ne peux pas faire d'une pierre. Bah, tu prends ton autre armée avec. Ah non, mais ils vont prendre Rome alors. Non, on recrute Masmerk. Ouais, mais je sais même pas si ça passe. Enfin, si tu Ça fais passe large. la bataille Bon, ici. regarde, je vais faire hop, comme ça. Attention, la petite exécution. Voilà. Tu vois, ils auraient dû me proposer le traité de paix plus tôt. Ouais. Bon, là. Bon, du coup, ça réunifie un peu l'Italie, hein. Bon, ça me donne pas. C'est pas ces villes-là avec lesquelles je vais m'enrichir, mais. Bah, tu sais, plus tard dans la campagne, quand tu vas commencer à. Je vais les mettre en mode. Alors, juste, c'est. Attends, je regarde ce que c'est comme ville. Je vais les mettre en mode. Qu'est-ce que je disais? En mode. Ok. Industrie. Non, moi, je te conseille. Celle-là, regarde. Moi, je les ferai en mode nourriture. Parce qu'ils ont des bâtiments avec de la nourriture, beaucoup. Regarde, Oui, genre. mais je les garde ceux-là, mais les nouveaux, je vais les faire d'industrie. T'inquiète, t'inquiète, je gère mon affaire. D'accord. Non, en fait, je regarde toujours. Genre, s'ils ont du lingot. Oh là là, pisse à l'arrêt, pisse à l'arrêt. Pisse à l'arrêt. con. Pisse à l'arrêt. J'ai D'accord. même pas la réparer cette ville. Alors voilà. Non, mais tu viens de te rendre compte de la blague que t'as fait sans faire exprès. Non mais t'as jamais fait exprès, t'es con quoi. Ah. Le mec il croit que je fais des blagues comme ça, tu sais. Mais non, Mais je suis à peine pas pervers. Le mec pisse à l'arrêt, je croyais que tu parlais. Bon, j'ai enfin fini mon tour. Ah ouais, enfin, putain, moi je regarde depuis tout à l'heure ce que tu fous. Attends, non, attends. Tu l'as fait avancer le truc? Quel truc? Patricien. Oui, je l'ai fait avancer. Ah. Est-ce que c'est ça le truc qui va m'être très utile en fait? Je vais pouvoir avoir des informations de territoire. Oh là là, je. Ah oh oui, attends, avec tous mes généraux qui ont pris de l'XP du coup. Excusez-moi! C'est un d'autorité, allez, hop. Toi et toi, Voilà, hein. c'est sûr que en contrôlant une faction comme Rome. Vous pouvez mettre un édit. Oui! Oh! Il y en aura le bol des édits, ok? Il y en aura le bol de Marichès. Attends, dans quel. Je sais même pas dans quelle province! Mais tu as juste à cliquer sur province Ah, dans cette province-là, ok. et tu regardes celles qui ont pas une petite maison rouge cassée. Plus 5 du taux d'imposition. Tu gagnes combien par tour? 2500. Wow! Oh putain, mon truc il a baissé, hein. C'est genre t'es à 1680, maintenant c'est plus rien, quoi. Regarde, Génua, ils vont tellement prendre cher à mon arrivée. Présence militaire 18. Oh, ça. Putain. Donc on va recruter un peu là, et puis après on va quand même aller faire la guerre à Carthage. Ah mince, j'ai toujours oublié de faire. Oh là là, j'ai oublié de faire ça. Ah oui, Un port d'accord. commercial. Ouais, j'ai pensé. Faut que tu me fasses penser. Bon, moi, tu sais quoi? Mon tour est déjà terminé, alors attends. Ah ouais, déjà. Bah, en fait, j'ai pas grand chose à faire. Ah, si, je sais ce que je vais faire. Ah, mais tu as pas l'attaque là? Si, je vais y aller. Justement, c'est ce que je vais Tu vas commencer à prendre faire. 9 tours pour y aller. Ouais, non, mais regarde, en fait, Au je moins que vais. Syracuse c'est une grande ville, hein. Comme ça tu gagnes un peu de sous au moins. Et tu feras aussi mieux d'amener ton dignitaire à Carthage. Hein? Hein? Bah non, je préfère le laisser là. Bah non, parce que là-haut ça va être une religion qui va être hyper casse-couille et Ouais, c'est vrai. je dis pas ça parce que la religion c'est de la merde. Mais toi, comme C'est il. juste que c'est pas la même religion parce que toi t'es latin, C'est je pas la crois. même culture. C'est différent. La religion, on s'en fout de la religion. On parle pas de religion ici. On parle de culture. Tu vois, genre Oui, les c'est vrai, il Alsaciens. parle pas de religion. Genre les Alsaciens, tu vois, ils ont une culture, c'est d'avoir des bouts de bois entre les Oui, dans les après, une maisons. culture, c'est aussi une religion. Oui, Oui, bon, yes. bref. Voilà, c'est juste la On culture, tu pourrait vois. faire un débat là-dessus. La culture lorraine, c'est kiff Lorraine, tu vois. Oh là Bon, bah voilà, fini le tour. Qu'est-ce que tu. Mais Oui, c'est mais vrai. c'est vrai, c'est parti de la culture lorraine, mais je suis totalement d'accord. Et les emporis, ils vont se faire attaquer là? Les emporis.
Ouais. Moi, je sais pas. Rébellion imminente. Oh, j'ai trop peur. Ma soeur, oh là. Populace scandalisée. Ah bah là, tu m'étonnes. Ils ont fait les enfoirés. Ils ont fait genre des gros raids et tout. Mais j'ai envie qu'ils apprennent cette ville. Comme ça, ils nous cassent plus les burnes. Mais tu par contre, à Aretium, ça pue. Pourquoi? Oui. Mais c'est la même région. Non, mais... Ouais. Oh là, d'accord, leur ville, tu vas les avoir, genre. Mais de toute façon, là, tu vas avoir une révolution, c'est sûr. Hein. Tu vas prendre Tarquini, elle fait partie de la province. Alors là, tu vas avoir moins 50 milliards, laisse tomber. Ouais, je sais. Donc, j'aime bien avoir moins 50 milliards. Donc, voilà, bon, en tout cas, Rome, ça va. Ça, c'est déjà bien. Donc là, tu vois, vous voyez, l'ordre public est pas bien. Hein. Parce qu'en fait, à moins 100, il y a une rébellion, voilà. Exactement. Rome, c'est quoi comme ville? C'est Capoue. Capoue et Terracine. Ok, donc ça c'est vraiment une région tranquille, je peux faire ce que je veux. Donc je mets tous mes sous là-dedans, d'accord. Continuer le siège. Ah d'accord, elle perd moins 46 Aretium. Mais c'est pas grave. C'est la même province de toute façon. Ouais. Et Pissaoum aussi. Pourquoi c'est quoi leur nom à coucher dehors? Pissaoum. Ça va? Tu te sens bien, Julien? Bon, allez, une bataille de siège. Ah, sérieux? Tu fais pas résolution auto, ça? Tu gagnes pas? Ben, je risque de me faire quand même laminer. Oui, j'ai faible. Ah oui, j'ai une victoire élevée, mais très coûteuse. Ah, mais regarde, combien de pourcentage de tes troupes? Non, mais je suis pas très fort en bataille de siège, puis j'ai beaucoup de cavalerie, donc oui, je vais le faire quand même. Non, mais parce qu'en fait, j'ai beaucoup de cavalerie, j'ai juste pris pour le nombre, en fait. A voir, Takiki. Et là, il va faire... Oh, mes troupes ont pris cher. Ah ouais, j'ai deux unités qui ont péri. Ah ouais, putain. Bah, les unités les plus fortes à chaque fois, hein, tu sais. Ah oui. Et cette petite unité là, elle va morfler. Coucou. Bon voilà. Il y a l'esclavage. Ouais, bah l'esclavage, en honte. Ouais. Non, mais ça va, il y avait deux personnes pour l'esclavage. Hein. Oh les pauvres. C'est pas avec ça que je vais ouvrir une mine. Hein. Toi, tu préfères être esclave ou être tué? Moi, je sais pas. Hein. Moi, je préfère être esclave. Ah bon? Bah. Quelle question, hein. Tu gardes la vie quand même, c'est quand même un principe. Ouais, je sais, mais bon. Ouais, bah si, tu gardes la vie. Ouais, bah en fait, si, c'est bien d'être esclave, mais t'essaies tout le temps de t'enfuir, en fait. Parce que comme ça, bah... Oui, après, t'es esclave, mais t'as une vie de merde. Hein. Faut pas dire que... Ouh, c'est à moins 66 dans cette ville. Putain, mais on m'aime bien. Oh la vache. Non, je vais pas me mettre en mode raid. Moins 67. T'aurais dû piller la ville, parce que de toute façon, t'es sûr que t'avais... Je sais pas si tu l'as fait. Tu l'as pillé ou tu l'as occupé? Non, je l'ai occupé comme un sac. T'as dû piller. Oui, mais au pire, j'ai une révolution, puis ensuite le moral il va bien remonter. Tu sais, ça va être tranquille. Ouais, non, mais avec comme Tom. C'est la même culture, hein. Ouais. Et ensuite, j'ai 5000 dessous là au prochain tour, donc c'est pas mal. Bah bon, oh putain. Oui, mais bon, voilà, j'ai aussi beaucoup de territoire à gérer. Ouais, ouais. Il va se perdre dans ses richesses de territoire. C'est ça. Non! Oh! L'accord commercial! J'ai pensé. Accord commercial, vous voulez? Non. Okay. Alors je crois que c'est l'accord commercial avec eux, hein, que tu veux faire. Samnite. Pas du tout. Accord commercial, bah. Pourquoi? Ok, les Vénètes, ils veulent pas d'accord commercial, je les ai sauvés, j'ai déclaré une guerre à cause de ces trous du duc. T'aurais pas dû les sauver, en plus, dans la grosse merde avec leur pays. Ouais, non, mais. De toute façon, je vais tous les exterminer, puis voilà, ça va être tranquille. Ouais. Ça, c'est bien du Léo, ça. Je vais te pépère. Ça ma carte de campagne. Oh, bah, remarque, t'as bien raison. Hein. Mais enfin, quand c'était tes clients, voilà, quoi, t'as pas besoin, mais. Ça, faut plutôt le faire à la fin de la campagne. Ouais. Quand t'as plus rien à foutre. Bon. Tu vois, genre, tu fais le gros sec, tu vois. Genre, ils sont deux sens très amicales, mais tu t'en bats les couilles.
Toujours un peu mon nom par exemple. Ah, je sais ce que t'as oublié de faire. Quoi? Tu as oublié de bouger ta troupe à côté de Syracuse. Oui, mais de toute façon, ils vont largement te rattraper parce que ça, c'est une... c'est un amiral de métier. Et toi, alors que toi, c'est une armée. Donc, de toute façon, ils vont aller beaucoup plus vite que les tiens. Non, mais c'était parce que je pensais que tu voulais la mettre à Lilibaum. Et puis, j'ai pas trop envie. Oui, mais j'ai pas trop en... Ouais. Ah, et je sais ce que t'as oublié de faire aussi. Hein? Tu as oublié de faire avancer ton patricien. C'est pas grave. Pas très grave. Non mais non, j'ai laissé à Hyporius juste pour faire de la perturbation. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'ai fait une connerie sans faire exprès. Oh, c'est quand même long, est-ce que je peux revenir? Oh, t'es sérieux? Oh, j'ai tellement fait une connerie. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. L'idéal, c'est qu'on attaque comme ça, mais... Alors celle-là, on va déjà la faire monter. Peut-être que mes armées aillent sur les côtes. Exactement, ça. Et celle-là, on va la faire recruter encore un tour. Donc, j'ai beaucoup de piquets. Ok, on va prendre un peu de cavalerie et ça. Voilà, et puis j'ai plus de sous. Et ça va faire 40 minutes, hein, ça fait 47 minutes. Ah ouais, qu'on fait l'épisode? Ouais. Ok, bah au pire, on fait. Ah, vas-y, finis ton tour. Finis ton tour. Alors là, plus 6 points. Et sauvegarde, ouais. On va prendre ça. Du zèle. Ah oui, t'inquiète, je vais sauvegarder. Alors là, ça fait quoi? Bon, Julien, t'aurais pas pris beaucoup de territoire, mais ça viendra après, hein, de toute façon. Oui, je sais, mais de toute façon, là... Et au fait, on filme un épisode chacun, donc comme ça, vous aurez ma vue hein, ensuite. Ah oui, c'est vrai. On aurait peut-être dû commencer par ma vue, tu sais, comme ça, ça aurait été peut-être un peu plus intéressant. Mais bon, après, t'as zoomé à chaque fois sur ce que je faisais, donc c'est pas... Puis tu l'aurais bien expliqué, donc c'est pas très grave. Ouais, bah... Ouais, bah, c'est bien comme ça. Attends, petit... Oh, l'industrie, ça rapporte vraiment masse, hein. Oui, ça rapporte beaucoup. Vraiment, je me fasse ces trucs, quoi. Attends, je vais prendre ça, moi, je crois. Voilà, ça, je vais prendre. Hop, bah, attends, je sauvegarde. On va faire un petit contrôle S. Voilà, sauvegarde réussi. Et puis, bah, voilà, c'est la fin de ce premier épisode. J'espère que vous aurez compris un peu ce qu'on a fait. J'essaie d'expliquer un petit peu, hein. Ouais. Puis ça va, on n'a pas fait trop de trucs compliqués, hein, non plus. Oui. C'est un jeu, hein, c'est pas non plus un casse-tête, le truc. Alors, donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. La prochaine fois, ça sera la vue de... De Canada Bees. Ouais. Et voilà. Alors là, il y a sa petite armée rebelle, mais ça, il va s'en occuper. Avec ma belle baliste, là. Donc voilà. Allez, salut!